Bonjour. Bon, alors l'autre jour j'ai changé la valve de la roue arrière. Ici on est sur l'avant et je vais changer le pneu. Et j'ai trouvé ceux-là. Ce sont les mêmes sauf qu'ils sont en 2-3. Alors ceux-là étaient en 2-1. Bon, j'en étais content donc. J'ai repris les mêmes. Je vais en profiter aussi pour changer la valve qui commence à être un peu vieille. C'est une Shimano. Et du coup, je changerai aussi peut-être le pneu arrière. Vous voyez, dans un premier temps, on commence par décoller les lèvres. Tout ça sans outil, hein, au doigt. Et pour enlever le pneu, ben, ça sera pareil. Ce pneu là, ça fait 3 fois que je le répare, il y en a marre, il n'arrête pas de se dégonfler, pourtant il y a le produit dedans. Mais bon, les trous sont de plus en plus gros, hein, faut le dire. Voilà, quant au produit, ben, j'en ai acheté. C'est un flacon de 125 ml, il en faut 60 ml par pneu. Moi, ma méthode, ce sera de le verser directement dans le pneu, avant de le fermer complètement. Certains le rentrent par la valve là une fois le pneu monté, mais j'ai pas ce qu'il faut donc je le monte avant de remonter le pneu. Voilà, je vais enlever le pneu. Bon, donc après avoir décollé, et voilà, ça sort tout seul. Faire gaffe, on va penser à bien nettoyer la jante. Vous voyez toute la merdaille là, c'est le produit. Il est vieux, il y a 2 ans celui-là. D'ailleurs, à mon avis, il faut le garder moins que ça. Il s'est durci par endroit, qui fait des boulettes. Bon, le pneu, quant à lui, ça sera poubelle. Nettoyage de jante, je change la valve et je remonte. Voilà. Valve neuve. Jante propre. Je me demande si c'est pas les boulettes finalement qui viennent boucher là. Celle-là aussi de valve, elle se bouchait. Bon. Voilà, là. Parce que là, c'est directement à l'extérieur. Voilà, la partie la plus mariole, remonter le pneu, surtout quand il est neuf. Et le pire, c'est le gonfler. Mais de toute façon, il faut le faire au décompresseur. Hein. Il n'y a pas de truc. Si vous crevez dans la colline avec un tubeless, eh ben, il faut mettre une chambre et vous n'arriverez jamais à regonfler. C'est trop galère. Alors, première étape, je vais mettre du savon sur les flancs du pneu. C'est juste du liquide d'aisselle, pas trop dilué dans de l'eau. Ça rentrera que mieux, surtout qu'il est neuf, il n'a pas la forme encore. Voilà. Ensuite, je vais repérer le sens de roulement. C'est marqué dessus en général, front, rear. Ça, ce sera pour devant, donc mettez dans le sens front. Je parle couramment l'anglais depuis que je fais du VTT. Le sens de roulement, alors front, rear. C'est marqué sur un seul flanc, pas sur les deux. C'est un peu chiant. On va pour étaler encore. Voilà, front, rear. Front, la flèche, là. Le disque à gauche, donc. Hop, disque à gauche. Et on y va. Là, je fais en vrac, hein, c'est juste pour donner la forme. Parce que vu comme ils sont mis dans les boîtes, ça fait plein de nœuds. Voilà. Là, c'est sûr, de toute façon, c'est fait, il rentre pas. C'est pas de soucis. Voilà, maintenant, je rentre un flanc. Pas oublier le produit non plus.
le mot flat ou je sais pas quoi là. Donc oui, j'ai bien regardé, c'est le produit, il faut le changer plus souvent. Hein. J'ai l'impression que chaque fois qu'on ouvre, qu'on a crevé, il faudrait en remettre. Vous voyez que ça rentre bien? Voilà, je vais faire face à la valve. Ouais, mais vous voyez rien. Face à la valve. Là, je retourne parce que c'est plus pratique, simplement. Et évidemment, il y a toutes les sorties. J'ai du savon plein les mains, ça glisse énormément. De toute façon, il faut que je pense à mettre le produit. Et bien sûr, pas d'outil. Voilà, il me reste juste petit écartement pour mettre mon produit.